Avec le docteur Kerzak. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. Alors ce matin, c'est très important, vous nous parlez des accidents vasculaires cérébraux, les AVC. Rappelez-nous d'abord de quoi s'agit-il? C'est ce qu'on appelle l'attaque cérébrale. Alors il y en a deux, il y a deux types d'attaque cérébrale. Dans 20% des cas, c'est hémorragique, c'est une rupture d'anévrisme, une malformation d'une artère qui va provoquer un accident hémorragique. Et dans 80% des cas, c'est le contraire, c'est ischémique, c'est une artère du cerveau qui va se boucher et qui va empêcher le sang et l'oxygène d'aller approvisionner le cerveau. C'est la première cause de handicap acquis chez l'adulte, donc c'est un problème de santé publique majeur avec des symptômes qu'on connaît, hein. C'est la paralysie faciale, un trouble de la parole, on cherche ses mots, on a du mal à parler, ou un membre qui va soit s'engourdir, soit avoir du mal à bouger, et au maximum une paralysie d'un côté. Bref, tous ces symptômes doivent alerter rapidement. Gérald, justement, vous venez de nous parler des symptômes. Alors, quels sont les premiers réflexes à avoir quand on suspecte un AVC? C'est une course contre la montre. C'est-à-dire que dès qu'on a un de ces symptômes, on ne se pose pas de questions, on appelle le 15. Il vaut mieux surestimer la gravité, appeler le 15 et en discuter avec le médecin régulateur qui vous enverra une équipe ou au contraire va vous rassurer. Mais dès qu'on a un de ces symptômes, et même si c'est ce qu'on appelle un syndrome de menace, un accident transitoire par exemple, le symptôme va durer quelques secondes et après régresse et revient normal, il faut appeler le 15 et on va vous conduire vers une IRM en urgence. L'objectif, c'est d'aller rapidement faire le diagnostic, déboucher l'artère. On a 4 à 6 heures pour déboucher l'artère. Donc, plus on appelle tôt, mieux c'est en termes de pronostic ou faire éventuellement un geste neurochirurgical s'il y a besoin. Gérald, une récente étude américaine établit un lien entre notre flore intestinale et la santé de notre cerveau. Est-ce que notre alimentation peut nous prémunir des AVC? Alors, on savait déjà que l'alimentation, c'était important dans le cadre de la prévention des maladies cardiovasculaires. Mais là, cette étude, elle est intéressante. C'est une étude d'une équipe internationale de Pennsylvanie qui montre un lien entre ce qui peut paraître éloigné, le tube digestif et le cerveau. C'est pas si éloigné, vous savez, la flore intestinale, c'est important, il y a des bactéries, ces bactéries sont capables de migrer vers le cerveau et d'augmenter le risque, par exemple dans cette étude, de malformation artério-veineuse. Donc on disait le tube digestif et l'alimentation, c'est le deuxième cerveau, c'est peut-être même le premier cerveau, donc attention à notre alimentation. Merci docteur Kerzak pour ces bons conseils. On vous retrouve à 10h dans Allo Europe 1 avec Thomas Touroud et nous on se retrouve demain bien sûr dans Europe 1. Bonjour.